Objectif, récupérer l'essence d'Héphaïstos. Sentit dans l'air un frisson qui était bien plus que froid. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette, ça vient de Boré, vent du nord. Je le connais, c'est un cousin. Ah, et il ne t'en a pas donné, vent du nord. L'air se déplace étrangement. Je me demande si je pourrais m'en servir pour me déplacer. On dirait que je peux modifier le sens du vent. Changer. Je serai le fils dont tu rêves.
De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde pour en faire cadeau à l'humanité, Phénix enferma les tourments d'Héphaïstos dans la boîte de Pandore. Toutes ses souffrances, toutes ses inspirations torturées. Qu'est-ce que tu veux? Le petit est un artiste. De cette boîte émergea la malveillance infligée à Héphaïstos. Malveillance, tu parles. Héphaïstos a eu la vie facile. Oui. Tu l'as jeté de l'Olympe. Sa mère l'a rejeté. Les dieux se sont moqués de lui. Personne ne l'invitait jamais à dîner, ou alors, au mieux, on le décommandait à la dernière minute. Ça arrive, Prométhée. Papa est occupé. Ah bon, j'ai compris. Le vent ne va pas avoir de prise sur celle-là, donc ça ne risque pas de la déplacer, et donc on peut faire ça, faire ça. Et voilà. Alors, toi, faut que je te place en priorité.
je vivrai dans la flamme, et elle ne me consumera pas. D'accord. Par contre, je n'arrive pas à comprendre la nécessité de la boule. Ah si, elle va au bout là-bas, ok. Donc déjà, en fait, faut que je me casse la tête pour amener la boule. Ensuite, il faudra que je me casse la tête pour les caisses, histoire que ça ouvre la porte. Thank you.
Je crois que j'ai peur d'avoir compris. D'accord, donc là non, j'ai juste à me soucier de ça en fait. Ok, donc toi t'es placé, toi t'es placé. Et donc toi maintenant. Là, par contre, j'aimerais bien comprendre le délire, en fait.
une demi-heure à faire cette merde et ça me saoule. Donc, je fais une pause. Je vais sortir du truc, cette vidéo ne sera jamais diffusée. Allez.